Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Il est 3h du matin, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle vidéo Dragon Ball Z Dokkan Battle. On va revoir les infos des 2 ans car honnêtement ce soir on a eu plein d'infos mais c'est un délire. Du coup on va voir ça en détail pour une dernière fois. Une vidéo information sur les 2 ans juste avant que la fête commence comme on dit. Sinon j'ai tâché à remercier tout le monde qui est arrivé sur le live. Putain, poustillon, tranquille. Tout le monde qui est arrivé sur le live ce soir, vous étiez ouf, on était à 2h du mat à 250, même on est arrivé à un moment à 300 personnes en live les mecs. Donc honnêtement vous étiez super kiffants, c'est un délire, merci beaucoup à tout le monde qui était sur le live, merci à beaucoup à tout le monde qui s'est abonné, merci beaucoup à tout le monde qui regarde les vidéos. Mais sur ce, on va commencer à voir les infos qui ont été montrées à 2h du matin aujourd'hui, du coup au moment où on a le rafraîchissement, où ça, on a la nouvelle journée si tu veux, si vous voulez je veux dire. On va commencer par les ordres. Du coup, bonus de connexion, 2e anniversaire. Vous obtenez une pierre dragon divine, la pierre rouge, 40 pierres dragon et Sangoku Super Saiyan 2 UR transcendé lors de la première connexion. Bon. Bon. Déjà, il faut savoir qu'il y aura des bonus de connexion quotidienne. Du coup, on aura 2 pierres de dragon et 3 pierres pièces du 2e anniversaire, je crois. Des tickets d'invocation quotidienne du 2e anniversaire et des objets fantastiques tous les jours. Du coup, on aura 2 pierres dragon par jour, les mecs. La première journée, à la première connexion, on aura la pierre rouge, comme j'ai dit, et les 40 pierres, donc 40 pierres dragons, les mecs, vont être donnés. Et le SSR Tech Son Goku. Et comme vous voyez, du coup, on aura 2 pierres dragons, 3 pièces 2e anniversaire, et je crois un ticket de l'invocation quotidienne du 2e anniversaire. Sinon, là, c'est des trucs quotidiens, j'ai envie de dire, c'est juste que la dernière journée, les mecs, le 26, on va avoir 2 vieux KO. Donc, honnêtement, c'est le feu. Hein. Ça, c'est pour les bonus de connexion 2e anniversaire. Putain, désolé, j'ai mal appuyé. Désolé, je suis fatigué, il est le soir là, il est 3h. Un peu de fatigue, mais faut toujours donner les informations comme on dit. Célébration du 2e anniversaire, détails et période de l'événement. Bon, les bonus de collection, on connaît. On en a déjà parlé. On aura l'élection légendaire, les mecs. Du coup, comme on l'a vu avant, on aura un moyen de voter pour votre futur personnage LR préféré. Du coup, je sais pas comment ça va fonctionner exactement. Mais je crois de ce que je vois, si je vois, ça ressemble vachement au portail de Broly LR. Du coup, je crois qu'on pourra voter pour un personnage LR, comme ça il aura un portail dédié à lui, qui aura, du coup on aura beaucoup plus de chances de le choper. Donc honnêtement, faites gaffe et on va voir ça plus tard quand on aura les détails. Après, comme d'hab, on aura les sélections splendides pour le 2e anniversaire avec la pierre bleue qui va venir avec le pack des 77 pierres. Du coup, ça c'est, on en a déjà parlé avant. On aura... Ça c'est Bibi, ça c'est bébé. Ça c'est pour les mecs comme moi, ça. Les soldes des pierres de dragon qui vont arriver aussi normalement à 21h, je crois. Il y aura 5 pierres de dragon à la place de une seule pierre de dragon par euro, on va dire. Par jour, normalement c'est 3, là c'est 5, honnêtement c'est kiffant. Il y aura 50 pierres de dragon à la place de 6 une fois seulement. Pour les mecs, free to play, je dirais que celui-là il est le plus important pour vous. Vous pouvez avoir 50 pierres de dragon à 3 fois rien. 12 pierres de dragon, solde moins 80% une fois. 32 pierres de dragon, solde moins 50% 3 fois. Le pack de 77 pierres dragon qui va donner la pierre de dragon bleu qui va donner la gouttière. Et après, on va dire le lot de gros porc comme on dit. 10 fois un lot de pack de 100 pierres dragon plus 50 à côté. En bonus, donc 150 pierres dragon les mecs, 10 fois. Hein. Du coup, ne vous inquiétez pas, il y en aura des trucs. Hein. La sélection spéciale, c'est pour les pierres dragon rouges, on en a parlé. On va voir ça en détail dans 2 secondes. Les invocations quotidiennes qui vont nous donner du coup... des personnages tels le Goten, Endurance, SSJ, Gotenks du coup, Endurance, SSJ qui bloque l'aspect que je veux. Le SSJ Blue Goku AJ que j'ai toujours pas et du coup qui pourrait me servir, pourquoi pas. On aura les éveils d'Okan, le plus important forcément c'est le Gotenks les mecs. Je l'ai pas et en plus il va s'éveiller d'Okan honnêtement, comme on dit. Hein. Du coup lui il va être kiffant, lui pourquoi pas, on va pas voir ça en détail, on s'en fiche. On va avoir demain, comme tout le monde le sait, maintenant c'est officiel, c'est écrit. Invocation du Festival Dokkan x2. Vegeta, Goku. Aïe aïe aïe, les mecs, on va casser des murs, comme on dit. Hein. Il y aura 50 pierres, et les mecs, je vous conseille à vous tous ça, même les free to players, ceux qui ont 400 pierres, 600 pierres, 500 pierres, invoquez sur ça, les mecs. Car honnêtement, les mecs, le rituel mystérieux. Multi-invoque 10 vieux Kai, il vaut largement la peine. Du coup, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas du tout. Moi, je vais le faire clairement.
Sinon, faut savoir que les 3 multi, une multi offerte pour les SSJ 4, ça va durer que 128 heures seulement. 128 heures, c'est qui équivaut du coup à 5 jours, je crois. Je dis ça au pif, hein. Mais je crois 5 jours. Et là, on a le truc ouf qui était pas dans la jap, les mecs. Les invocations légendaires du deuxième anniversaire. Ça se voit trop bien. Il y a le SSJ 2 Gohan LR qui est dedans. Il y a des trucs en mode on pourra choper. D'ailleurs, les médailles pour éveiller le LR, ça va pas être dans le battlefield. Ça va être à skip dans les invocations aussi. Apparemment, il y a le SSR Diamant, statue d'Hercule qui est dedans. Des vieux cailloux dedans, je comprends pas trop, mais ça a l'air un truc de ouf aussi. D'ailleurs, il y aura des tickets pour les invocations quotidiennes et les invocations légendaires. Du coup, honnêtement, les mecs, ça va être ouf. Je vais essayer de articuler pour le reste de la vidéo. Désolé. Je suis excité comme tout le monde, j'y peux rien. Bon, les events Dokken pour le SJ4 Goku et pour le SJ4 Vegeta qu'on va torcher comme on dit. Tous les, mais ça on s'y attendait hein. Tous les événements boss hors SJ4 Vegeta et Goku qui vont être à moitié de consommation d'ACT. Du coup les mecs n'hésitez pas à farmer car honnêtement 25 ACT c'est beaucoup mais beaucoup moins que 50 hein. Je sais bien que ça a l'air con à dire mais c'est vrai. On aura un nouveau mode, des nouvelles quêtes dans le mode histoire à skip. Feu et carrelage, je veux dire dans les histoires des super guerriers. Merci la voiture qui passe. Les histoires des super guerriers, du coup on aura, j'imagine, encore un moyen de choper des Dragon Stones. Et chaque fois qu'il y a des pierres de dragon, moi je dis pourquoi pas. Ça peut servir. Deuxième anniversaire de super affaires, de superbe affaire dans le lieu d'échange. Utiliser les pièces du second anniversaire. Il y aura des vieux cailloux qu'on peut choper. Je crois qu'il y aura le, comme on voit là, le SSJ Blue Goku qui peut être servir. Pour augmenter l'aspect des autres Super Saiyan Blue. Je me rappelle quand j'avais utilisé des vieux cailloux sur Jubai. On en parle plus s'il vous plaît. On aura des missions limitées quotidiennes, la base. Des trucs où tu peux choper des pierres de dragon, des petits médailles, des trucs comme ça. On aura le mode histoire Dragon Ball GT. Où on pourra choper des personnages exclusifs. Quand on parlera plus tard dans une autre vidéo. On aura en plus les mecs le 15ème Tenkaichi Budokai, ça fait quoi, un mois même plus qu'on n'a pas de Tenkaichi, donc ça va faire plaisir, qui va venir mercredi. Merci Dieu, mercredi ou jeudi, je suis pas sûr, hein. Non mercredi je crois. Bon, si c'est mercredi ou jeudi, en tout cas merci Dieu que c'est un peu loin, car honnêtement ce week-end là j'aurais pas pu le farmer, hein. J'ai des portails à faire moi. Hein. Du coup n'hésitez pas aussi à farmer du coup l'event de Bulma qui vous permet de choper beaucoup d'objets de soutien qui vont vous servir pour le Tenkaichi Budokai, donc n'hésitez pas à faire ça. Bon, celui-là, le truc de Goku, on s'en fiche un peu, hein, mais si ceux qui veulent le faire, pourquoi pas. L'entraînement de Kame Sennin qui donne une fois par jour la carapace de tortue qui donne plein d'XP, du coup n'oubliez pas de le faire une fois par jour les mecs. Hein. Le tournoi de 7 ans qui va nous donner une statue par jour. Ça, ça va aussi être... Faites le plein en argent, hein. Les Broly LR, etc. Faites le plein en argent, les ennemis, faut les faire. Hein. Pont, bon, ça c'est la base. Libérer le potentiel qui va être triplé les mecs. Du coup aussi, chaque jour, vous me faites les quêtes agi, tech, intelligence, puissance... Endurance, c'est triplé les mecs. Regardez ce que vous avez besoin de, comme orbe à avoir. Et farmez ça, car vous en aurez besoin. Le truc pour les nouveaux, le truc qu'ils font pour le nouveau, même qu'ils font pour moi qui a 260 niveaux. L'XP x4. Croyez-moi que les niveaux ça va tourner comme ça. Hein. Vous pouvez XP à l'infini les mecs. Hein. Donc l'XP x4, ça fait plaisir. Pas comme l'XP x2 qui pue la merde. L'entraînement, l'énorme succès et super succès, le taux est quadruplé les mecs et le grand succès est garanti. Du coup même en XP ça va aider beaucoup pour augmenter les personnages vu que les items d'entraînement ça va galérer un peu comme on dit. On aura l'événement des médailles d'éveil qui va revenir. N'hésitez pas à le farmer à fond aussi comme les mecs qui veulent brûler LR. 77 médailles les mecs hein. Il y en a plein des médailles hein, donc n'hésitez pas à faire ça. Le baba que je vais... Les soldes du magasin de baba que je vais... Comme ça les mecs, je vais hein. Je vais bien l'utiliser mais dès que je finis d'invoquer car j'aurai plein de... points baba, pour le moment j'en ai aucun, mais on s'en fiche. Et du coup je crois que j'ai parlé de tout plus ou moins. Bon. Est-ce que là il y a des détails à donner, oui. Par rapport à la pierre rouge du coup les mecs, faut savoir que le choix il est entre SSJ3 Goku, le Celtech, le Sangohan Intelligence, le Broly Puissance, et le Freezer full power. Honnêtement parmi ces 5 les mecs, clairement, mais clairement le Freezer pleine puissance, c'est le meilleur à prendre. Moi j'ai pas tout le monde, hein. C'est le tech, je crois pas que je l'ai. Et je l'ai pas. Mais le Freezer full power les mecs, honnêtement c'est le meilleur. Je dirais en deuxième que Sangohan Ultime et le Broly puissance peut servir si vous avez pas une autre unité carnage. Bon, en général vous en avez maintenant. Mais si vous en avez pas, pour le tournoi il peut servir. Mais honnêtement, sinon, niveau top tier, c'est niveau carte titulaire d'une team forte avec les Neo God, Freezer pleine puissance, il fera trop bien le taf.
avec les couleurs. C'est mon meilleur ami carrément. Du coup, moi, je vais prendre ça clairement, les mecs. Hein. Et je ressors une deuxième fois. Désolé, c'est la fatigue, j'ai pas rien. D'ailleurs, oui, en plus, la page FB officielle 500, arrive à 500 000 abonnés. Et du coup, on aura encore plus, les mecs. Des ennemis, des pierres de dragon, des orbes, des objets d'entraînement, des points de baba, des médailles d'éveil. On va se mettre bien, les vues de les mecs, les deux ans, on va se mettre tellement bien, c'est un délire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Cette semaine, dans cette chaîne, ça va être le bordel. Et je crois que j'ai parlé de tout, plus ou moins. Ah non, j'ai pas parlé de tout. Déjà, je vais aller devant vous prendre du coup le freezer full power que j'avais pas. Demain, il y aura plein les soldes, les mecs. Il y aura le bouton solde là en bas. Désolé si la vidéo va durer, c'est car il y a plein d'informations à donner et du coup je la fais durer. Freezer pleine puissance, échangé. Ah oui, moi je rigole pas, hein. Quand je dis que je vais faire un truc, je le fais. Du coup, on va passer à la deuxième petite partie de la vidéo qui est quand même vachement importante. Du coup, on revient sur les nouvelles infos. Du coup, déjà, j'ai envie de dire à vous tous les mecs, et je suis comme chaque fois que j'utilise des infos, merci beaucoup à Nordax, @Nordax974, des infos. Honnêtement, le mec pour la communauté d'Okan française, c'est un ouf. Il rate rien, il fait super plaisir le mec. Et il y aura comme d'hab son lien dans la description. Sinon on va continuer sur les infos. Et du coup ça là, je vais juste vous permettre de regarder un peu, juste pour voir un petit truc avant. On va voir ce petit truc là les mecs. Car ça c'est les cartes, regardez bien, c'est écrit global là, je sais pas si ça se voit, mais là c'est écrit global. Donc c'est les cartes qui vont, comme c'est dit là, une pelletée de nouvelles cartes incoming pour la globale. Du coup des cartes qui vont arriver à la globale les mecs. On voit bien que la SSJ4, Vegeta et Goku. Mais il y a le Gohan LR, il y a le Majin Vegeta LR, il y a le Broly LR, il y a tous les personnages et il y a un certain personnage qui m'intéresse vachement. Vous voyez ça là. Je connais pas ce perso honnêtement. Et du coup, quand on le voit et après on remonte et on voit ça, j'ai l'impression qu'on a un nouveau Goku Kaioken divin qui va arriver. Je croyais que c'était sur la Jap moi. Mais là honnêtement, c'est écrit global. Global 06-07-2017. Et là il arrive, je crois que c'est le même, oui, c'est le même art. Du coup on aura une carte kiffante les mecs, honnêtement elle est super belle la carte. Elle est super super belle, déjà que je suis super fan du mode Kaioken. En plus avec l'auréole, bon, je vais péter un câble hein. Du coup apparemment on a un nouveau Goku divin Kaioken, oui. C'est le feu les mecs, c'est le feu. Non attends, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas à vous abonner les mecs si c'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé la vidéo. Lâchez un petit like, un petit commentaire et un partage, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à demain les mecs. Ça va être le feu.